international. The animal is a hawk. De la AWA. Lutte vidéo internationale. Au moment où ces images ont été tournées pour lutte vidéo internationale, The Animal et The Hawk, les Road Warriors, étaient champions en équipe de la AWA. Mais devant eux, le champion en titre de la AWA, le Québécois Ricky Martel, l'entrée du champion de la lutte internationale, Dino Bravo. Gino Brito, quatre champions à lutte vidéo internationale. Eh bien oui, André, t'as tout dit sur les Road Warriors, des champions. Rick Martel, tout le monde le sait, AWA champion. Dino Bravo, champion international. Que peux-tu avoir de mieux que quatre champions dans une arène? The Animal devant Ricky Martel. Contact. Et rapidement, on tente de s'imposer, mais Martel est rapide. Et évite le coup d'avant-bras qu'allait lui servir. The Animal, puissant, remarquable constitution physique. Martel, contact, prise de tête à l'endroit de l'un des gladiateurs de la route. Les Road Warriors, soulevés et projetés comme si de rien n'était. Et Erling qui fait sentir sa présence. Il faut mentionner que Paul Erling, et le gérant des Road Warriors, et dans un an seulement, a pris ces gars-là et maintenant ils sont champions du monde. C'est quelque chose, ça. Oui, remarquable duo d'athlètes pour commencer. Une combinaison superbe. Mais sur le plan du physique, Gino, c'est incroyable. Oui, tu regardes Animal, un physique un peu plus gros, corpulent que... Que le Hawk, mais tu regardes le Hawk avec sa définition des épaules comme je n'ai jamais vu, des 22 pouces de biceps, une force incroyable, c'est toute une équipe à battre. Martel, encore une fois, projeté par des animaux qui semblent se servir de Martel comme d'un sac de sable, comme si de rien n'était. Mais attention, Martel est plein de ressources, extrêmement rapide. Et encore une fois, Martel fait connaissance avec la force. Regardez ce physique imposant. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'arène, dans le chemin qui les conduisait à l'arène, la foule était éberluée, complètement dépassée par la qualité de ces deux hommes. Quand on parle d'hommes, vous en avez deux à l'écran de lutte vidéo internationale avec un H majuscule. Quand tu parles d'Animal, André, c'est un gars au moins quoi, de 300 livres? Certainement. Certainement, et tout en muscle. C'est assez extraordinaire, Gino, de voir autant de force et de muscle, mais pas de graisse. As-tu vu comment il peut se lever dans un moment, il est debout, l'action est là, la vitesse est là. Ils ont tout pour eux autres, les Warriors. Ricky Martel, changement commandé, voici The Hawk. The Hawk est peut-être plus rude encore que The Animal. Je crois que oui. Extrêmement impulsif. The Hawk, contact avec Martel. Et pourtant, si vous aviez l'occasion de voir Ricky Martel en personne, vous seriez quand même étonné du physique de Ricky Martel. Et ça vous donne une idée maintenant du physique des Road Warriors. Regarde avec la facilité. Coup de coude servi de l'arrière. Martel, oh, regardez. Regardez. Il vient. Oh, la Martel qui joue au fin finot. Tentative de tomber. Et là,
Rapidement, Martel s'impose et De Hock est furieux. La très belle lutte. Là, De Hock et The Animal viennent de constater que devant eux, c'est pas de la petite bière. Oh là, De Hock qui fait un geste qui en dit long. Bravo est demeuré pratiquement impassible. Martel contact. De Hock échange les épreuves de force. Martel amené dans le coin. De Hock qui retient Martel à la tête et solidement lui frotte le visage. La Martel qui tente, oh, frapper. Ça, c'est un des coups préférés de Hock. Il lève le bras, empêche l'autre de se couvrir et le frappe aux côtes. Il multiplie ses coups. Et ça, c'est rien pour aider la cause de Martel. Il est près du coin, soulevé maintenant. De Hock qui se balade un peu, brise rein. Il regarde en direction des animaux, compte de deux, mais Martel l'a soulevé et De Hock semble surpris, Gino. Bien certainement, après tout, Ricky Martel est un champion AWA. Il sait ce qu'il fait dans la ring de lutte, il est en condition physique. Regarde cette vitesse de Martel. Martel, fantastique, compte de deux. Et De Hock, encore une fois, Martel, mais le changement était commandé, c'est Bravo qui s'en vient. Oh! Oh! La lumière était jaune-rouge. Et là, De Hock s'est fait accueillir solidement. Il y a une chose qui met en furie les Rhodes, c'est de se faire ridiculiser Gino dans une arène. Il y a n'importe quel lutteur, mais surtout les Road Warriors. Parce que les autres se croient les meilleurs au monde avec les hommes. De toute façon, ils sont au niveau de la AWA, les meilleurs au monde. Et moi, je te dirai que je le pense, en tout cas, dans toute la lutte professionnelle que j'ai vue à date, jamais je n'ai vu une équipe aussi puissante, aussi arrogante, mais avec du talent, que les Road Warriors. C'est des gars qui sont vraiment impressionnés, ça. Amenez-moi n'importe quand au Québec. Je vais y aller. N'importe quand. Mais pour l'instant, c'est Lutte Vidéo Internationale et la Lutte Internationale qui vous présente cette machine américaine de Chicago, Illinois, les Road Warriors. Regardez, regardez les dorsaux. Incroyable, Gino. Oui, puis on sait que Dino Bravo, c'est un homme fort. Mais regarde Road Warrior aussi. Avec, je dirais pas facilité, non. Mais quand même, on peut voir qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe qui côté quoi. Et là, De Hock, qui fait connaissance avec l'intraitable Dino Bravo, champion international. Trois fois champion. Et Lutte Vidéo Internationale vous offre des champions. De remarquables gladiateurs. Il faut être dans une constitution incroyable pour affronter les Road Warriors. Il faut être surtout résistant. Et là, Bravo qui ceinture l'un des Road, mais The Animal attendait à l'autre bout du tunnel. Et là, les Road Warriors en action. Dino lève la tête, comme on dit, parce que ça va venir de partout. Descente du coude. Oh, là, Bravo a été sonné. Pas mal dit. Compte de deux. Et Bravo résiste à l'attaque. Et les Road, pour l'une des rares fois depuis qu'ils sont au Canada et au Québec en particulier, Dino trouve des adversaires à leur mesure. Oui, une bonne opposition de la part de Martel et Bravo. Ça va être intéressant de voir, avec les minutes qui s'écoulent, peut-être l'endurance. Ça va être une question d'endurance. Et je n'ai jamais vu Gino Paul Elring aussi sérieux dans la direction de ses athlètes. Il sait très bien que Martel et Bravo ne sont pas des deux tics. Justement. Il sait qu'il connaît très bien Bravo et Martel, surtout qu'il a lutté dans la région AWA. Naturellement, c'est le champion. Et il connaît très bien qu'avec ses qualifications, qu'est-ce qu'il peut faire même au World Warrior. De Hock qui frappe, Bravo. Bravo qui est étourdi. Là, la pression de la jambe droite du Hock. Des voix qui l'avertit. Des voix qui, sans vouloir être négatif, se figure de petit garçon à côté de ces deux mastodontes. C'est un choix? Non. Et là, le coude à la volée servi par le Hock. Bravo a été atteint solidement. Et encore une fois, l'un des mouvements préférés du Hock. Regardez. Il
qui met du cœur et de la pression. Compte de deux et bravo. Une résistance incroyable. Et là, Erwin qui demande à Desbois de compter plus rapidement et Desbois lui dit, mêle pas tes affaires. Bravo, collier arrière, servi par le Hawk. Pendant ce temps, les animaux observent la scène et Marcel aimerait bien venir en aide à son partenaire. Affronter les Road Warriors, s'il y pense, n'est-ce pas Gino 24 heures à l'avant? Oh, certainement. Peut-être avant aussi. Il y a certains combats que tu peux accepter facilement, mais quand les Road Warriors, tu joues. La Bravo qui a tenté de contre-attaquer, mais n'a pas encore assez de vigueur. Et là, The Animal s'en est mêlé. Maintenant, The Hawk, à son tour. Et Bravo demeure pendu au câble, pendant que Elring tente de distraire l'arbitre. Dans un combat comme cela, ça prendrait deux arbitres. Oui, je me demande pourquoi un arbitre, Adrien Desbois, malgré qu'il est une très bonne arbitre, mais c'est ça seul pour ajouter des hommes de la femme des Warriors de Bravo et Marcel. Et pendant que Desbois placote, eh bien, Bravo lui écope. Regardez bien. Regardez la combinaison des Rhodes. Et bang, Bravo qui se fait écraser au tapis. Descente du coude. Et Bravo a une résistance incroyable. Regardez-moi ça, c'est un entraînement. Trois fois et Bravo est sonné et se relève encore. Changement commandé, les Rhodes en pleine action. En pleine action. Projection possible de Dino Bravo. Bravo qui est pris en souricière, prise de l'ours. Les bras tels un étau. Bravo qui est véritablement là dans un étau, qui tente de s'en sortir, tandis que Desbois lui demande à Bravo s'il n'a pas envie de concéder, il n'en est pas question. Bravo ne veut rien entendre, tente de s'en sortir, il est debout maintenant, glisse ses bras sous les bras du guerrier de la route, frappé de la tête, le coup de boule. Bravo qui a été contré au dernier instant. Et là, les Rhodes qui ont réussi à empêcher le changement. J'ai tenté d'exécuter Bravo à l'endroit de Ricky Martel. Mais là, Bravo est là. Bravo est parti. C'est Martel qui revient. Et bang! Et là, l'athlète rapide, champion de la AWA, fait sentir sa présence. Oh, celui-là, The Animal ne l'attendait pas. Et Martel frappe des deux mains. Et partout, il est déchaîné. Martel, projection. Et là, il subit la ruade. Et là, The Animal va tenter de venir régler certains petits comptes. Soulève Martel. Oh, regardez, très, très vicieux, ça. Et là, Martel a été tout simplement projeté sur le troisième câble. Et pourtant, l'athlète québécois est encore à genoux et résiste à la charge furieuse des Road Warriors. Levé de la cuisse, solide. Et là, la combinaison des Rhodes, Gino, faut les regarder, ils se complètent admirablement bien. Mais j'essaie d'analyser en équipe, les deux équipes. On peut voir que les Road Warriors sont plus habitués à travailler ensemble, malgré que Bravo Martel qui connaissent très bien. Mais les Warriors, vraiment, c'est une machine. Martel qui subit les foudres des deux Rhodes en succession. Déjà, le changement est commandé, attention. Attention, Martel, Ricky. Mais Bravo est intervenu. Bravo est intervenu. Il savait que Martel était dans le gros trouble. Et la droite de Bravo a porté. Et là, les deux gladiateurs québécois s'en donnent à cœur joie. Et on frappe de partout. Il y a une chaise dans l'arène. Et bang, on vient de frapper. Encore une fois. Et là, c'est de partout. Bravo et Martel qui seront vraisemblablement disqualifiés. Et là, les chaises viennent de partout. Lutte vidéo internationale vient d'en offrir toute une en face, les Road Warriors. Regardez les Road qui viennent de soulever une grosse table et qui la lancent dans l'arène. Il n'y a rien là parce que les Road s'entraînent avec pas mal plus pesant. C'est seulement du bois. Quatre lutteurs sont disqualifiés. Les quatre lutteurs sont disqualifiés. Ça finit dans le désordre total. Eh bien, Lutte Vidéo Internationale vous a présenté de la race des champions, The Animal et The Hawk, les Road Warriors.
Ricky Martel, champion de la AWA et le champion de la lutte internationale, Dino Bravo.